Jim. Heitman. Salut, Heitman. J'aimerais que tu regardes ça. Hé, hey, c'est quoi ça? C'est à Jim que j'ai demandé conseil. Waouh, la vache, d'où tu sors ça? Je voulais me brancher sur Protovision et pirater leur programme de nouveaux jeux vidéo. Donne, donne. Hé, hey, minute, j'ai pas encore fini. Tu m'as demandé de te prévenir quand tu serais vraiment mal élevé et sans égard. Tu te souviens? Tu es très mal élevé. Ça, alors, guerre bactériologique et chimique mondiale. Ton truc ne sort pas de Protovision. C'est évident, alors demande à David d'où ça vient, vas-y, demande-lui. Je vous ai déjà tout dit. C'est militaire pour moi, il n'y a pas de doute militaire et c'est sûrement top secret. Oui, mais si c'est militaire, pourquoi il y a des jeux comme les échecs et le backgammon? Parce que ce sont les jeux de base pour enseigner la stratégie. Comment ça se fait que je suis entré dans ce système? Je ne voulais que les jeux. T'aurais jamais dû arriver là-dessus. Ce système doit posséder un nouvel algorithme d'encryptage. Il est protégé en lecture. Tu sais, à mon avis, aucun système n'est totalement protégé. Je parie que Jim pourrait le pirater. Je te parie que non. Je te parie que si. Eh ben, tu ne passeras pas la barrière de devant, mais tu peux essayer par derrière. Explique-toi. Mais t'es fou, Jim, devant cette gamine qui écoute tout, tu lui dis de passer par derrière. Pauvre cornichon. Oui, cornichon. Passer par derrière n'est pas un secret. Oui, mais c'est pas normal de lui filer nos tuyaux. Mais c'est pas des tuyaux. Dites-moi ce que c'est. Bon, ben voilà, un tout nouveau système que je fabrique, je colle un mot de passe à moi que je ne signale à personne. Comme ça, si jamais je veux le pénétrer, je rentre comme je veux, quelles que soient les sécurités ajoutées. En gros, passer par derrière, c'est ça. Ah oui. Bon, tiens, si tu veux vraiment t'acharner et essayer de pénétrer le système, il faut trouver son concepteur. Oh, c'est malin, je ne sais même pas le nom de ce type. Mais c'est pas vrai d'être con comme ça, mais vous êtes con comme la mort, moi j'ai tout compris, parce qu'il y en a dans ma petite tête. C'est vrai, Malvin? Eh ben, raconte-nous. Labyrinthe de Falken, vu, c'est lui qui te mènera au but. Allez.